I'm coming from and why I'm doing what I'm doing. So my name's Justin. I'm the director and co-founder of a production company called Running Wild Media. We're a full service production company, but we pretty much specialize in wildlife and conservation storytelling. And so the way we go about the storytelling is different. We could do films, we'll do photos, we'll do education programs, we'll do social media campaigns, we'll do wildlife galleries. But the end result is always impact. So we use these tools as a way to drive impact, to make a difference for whatever conservation program, strategy, initiative we're trying to support or build. And so through that, my background is actually in wildlife biology. I spent a number of years as a herpetologist. And then, you know, through learning about conservation and working with people and understanding really how to get things going, I started to use my interest in photography and filmmaking as a method for conservation. And so now what I typically do is I go out and tell stories about researchers or tell stories about wildlife in need, to share with the public or to share with important stakeholders or to share with specific audiences to make the change that is needed in order to protect or help or save or whatever it is that we're trying to save, whether it's a species, a habitat, that kind of thing. So that's kind of where I'm coming from with all of this. So why photography? For me, like, photography is a really, really good way of sharing a story very, very quickly. You know, you've got those people who share their photos on their phone real quick to kind of give you a picture of what's going on in their life or what they've experienced. And that's a really good way of communicating because it's simple and it's easy. And it's a really good way to evoke a reaction from somebody. And so the point of a really good photo is to evoke emotion. It's to get you to feel something. It's to get you to think something by just looking at the photo. And so I used the photo on the right as a decent example because, you know, there's a red wolf on the ground. It's got a muzzle on its face. And you've got all of these people who are kind of like comforting it and holding it as it's waking up from its surgery and what the work that they were doing with it. Le travail qui s'est fait en regardant, on a mal pour l'animal, on ressent de l'empathie pour les personnes. C'est une bonne manière de partager. De partager une émotion. Vous pouvez voir une construction dans la photo que vous n'aurez pas forcément, à laquelle vous n'avez pas forcément pensé auparavant, que vous n'avez pas forcément déjà vu. C'est une très bonne manière de partager en fonction de cette émotion, de développer l'empathie avec un animal. C'est toujours cette vieille idée, une image parle plus que mille mots. On peut partager beaucoup d'informations avec une seule image, tandis que pour décrire cette image en quelques mots, ça prendrait beaucoup plus de temps. Une autre très bonne chose avec les photos est qu'elles sont vraiment universelles. Pas besoin de parler français ou espagnol pour comprendre ce qui se passe dans cette image. Vous voyez la situation où vous savez déjà ce qui se passe. Et cette image correspond au récit que nous avons vu et que nous reverrons plus tard. Il s'agit d'un langage universel. On comprend ce qui se passe, on voit clairement. C'est pourquoi je préfère vraiment les photos, car c'est quelque chose d'universel qui peut atteindre n'importe qui, n'importe quand. Et c'est une manière très facile d'obtenir des informations et de comprendre ce qui se passe. En prenant cette photo, vous en faites un répertoire de photos n'est pas si différent de ce à quoi on s'attend dans une histoire normale, comme dans un roman que vous liriez, dans un film que vous regarderiez, un dessin animé, une BD, n'importe quoi. C'est la même chose, mais ça se limite seulement à des photos avec parfois des captions. Et pour notre compétition, nous autorisons les captions pour les photos. Vous aurez donc votre récit photo, une série de photos en ordre chronologique l'une à côté de l'autre qui représentent votre histoire. Vous avez toujours vos personnages, tous les conflits et la résolution à la fin de l'histoire à travers des images.
On voudrait peut-être sélectionner les bonnes images et dire le récit d'une manière simplifiée, qui ait du sens. Et là encore, les captions vont aider. Un exemple rapide, quelque chose que j'ai construit ici. C'était dans une galerie. L'affichage correspond exactement. Donc, ce récit photo concerne le loup roux américain, l'espèce de canin la plus endommagée, la plus menacée au monde. Donc, caractère principal, c'est le loup roux. Et le conflit que nous avons ici, c'est les champs agricoles et les rues qui détruisent, divisent son habitat. Les guides qui guident le personnage, qui orientent le personnage principal, sont ces chercheurs qui examinent les bébés. Ici, on a une image avec un jeune loup qui va dans l'avion pour un site, pour un site d'acclimatisation avant d'être relâché dans la nature. La résolution, c'est le loup relâché dans la nature pour la première fois depuis peut-être 10 ans. On a toute cette opération ici, un personnage qui fait partie d'un programme, conflit, orientation, résolution. C'est comme ça qu'on fait. Là encore, il s'agit d'un processus créatif. Vous aurez peut-être vos propres idées, vos propres méthodes. Vous pouvez peut-être le faire en moins d'images, mais c'est un exemple que j'ai assemblé récemment. Il permet de voir sa composition avec les petits éléments ici. Lorsque vous soumettez votre histoire et qu'elle est sélectionnée pour être affichée sur Internet, il y aura des images et des captions, tout ensemble, en ordre chronologique, pour que ceux qui voient l'histoire comprennent comment ça fonctionne. Voilà un exemple, voilà un récit photo. On s'attendrait à avoir une manière de faire similaire. Et donc, l'exemple de format pour votre récit photo, c'est ce que nous avons ici. Mais là encore, il n'y a pas de manière bien définie, il n'y a pas de manière de faire bien définie. Les films, les photos, etc. On peut faire tout ce qu'on veut. Et honnêtement, on peut avoir quelque chose qui se retourne. Et si c'est le cas, alors c'est très bien. Mais si vous pensez que vous voulez en rester aux exemples, voilà ce que je propose. Vous avez une photo du sujet principal, votre personnage, le thème principal de votre récit. Pour moi, c'était un animal, mais pour vous, ce ne sera pas forcément un animal. Ça peut être une communauté, ça peut être un groupe d'acteurs, ça peut être un habitat, tout ça. Correspond parfaitement au rôle de personnage principal de votre récit. Ensuite, vous voulez échelonner votre récit, mettre une perspective. Pour moi, il s'agit des problèmes d'habitat. J'ai également abordé les conflits. Car dans cette région fermière, c'est à cette échelle que nous travaillons, et la réalité de l'habitat. Mais c'est aussi un conflit fragmenté dans les différents habitats qu'ils doivent naviguer. On peut faire les deux en une fois. L'échelle, le paysage, la communauté, l'habitat, voir aussi le conflit d'une manière différente. À vous de voir. Ensuite, menaces et défis à la conservation. Spécifiquement pour cette compétition, je recommanderais une planification. Car c'est ce qui répond aux défis liés à la conservation. Vous n'êtes pas obligé, c'est votre récit, vous faites ce que vous voulez, mais voilà ce à quoi nous avons pensé, ce que nous avons prévu. Et nous avons décidé que ce serait un bon exemple. Vous pouvez faire un ou deux formats dans la session de planification, avec des notes et tout le monde qui se demande comment faire, comment apporter des changements. Ce serait une bonne idée. Ensuite, je suggère de passer à la mise en œuvre de cette action, vers la résolution. Quoi qu'il en soit, ça correspond tout à fait au programme de conservation auquel vous travaillez et à vos critères personnels.
Et enfin, la dernière étape, la résolution. La conclusion de votre récit, la résolution de vos actions. Quel est le résultat de toutes les mesures que vous avez prises à la fin de votre récit? Voilà quelques éléments qui font un bon récit photo, selon moi. Soyez très sélectif sur les photos que vous utilisez. Je pense que personne ne sera surpris d'entendre que dans ce récit photo que j'ai montré, il y avait des centaines d'images et nous en avons sélectionné quelques-unes pour raconter ce récit. Car en se servant de trop d'images, ce sera très difficile de comprendre. Ça réduit la capacité à partager rapidement l'information. Soyez sélectif et ne partagez que les meilleures photos. Une bonne manière d'y arriver est de le répartir par le temps. Vous avez une centaine d'images que vous aimez bien et ensuite, tous les jours, vous en choisissez 25, par exemple. Puis après quelques jours, vous en choisissez 10 sur les 25 et vous laissez de nouveau quelques jours, vous y revenez et vous en choisissez 6 à 8. Là, vous permet de l'aborder avec une perspective nouvelle, tandis que si vous essayez de parcourir une centaine de photos par jour, ce sera prendre le temps de prendre des pauses, apportera une nouvelle perspective et de nouvelles images. Autre chose, vous pouvez éventuellement raconter plusieurs récits en une seule image. Je l'ai fait au niveau de l'habitat et des défis en une seule image. Vous pourrez le faire aussi afin de réduire vos images à un seul récit. Mais c'est complètement à vous et à comment vous voulez communiquer. Concentrez-vous sur les émotions, les expressions des visages sont souvent très bonnes pour exprimer les émotions. C'est important à prendre en compte. Si la personne sur votre photo est excitée ou quoi que ce soit, vous voudriez le saisir parce que la personne qui regardera votre récit photo ressentira les mêmes émotions. Ensuite, commencez par l'histoire et ensuite choisir les images pour raconter cette histoire au lieu de prendre les images pour essayer d'inventer l'histoire avec ces images. Concentrez-vous d'abord sur l'image, sur le récit. Pour le récit que je vous ai montré, ça vous a mis 3 ans pour le faire. Pourquoi? Parce qu'au début, je n'avais pas toutes les images. J'ai rencontré beaucoup de personnes pour raconter cette histoire. L'histoire était là et elle était fondée uniquement sur le modèle de conservation qui se faisait déjà. Pour raconter ce récit, je devais approfondir, je devais y aller plusieurs fois. Gardez cela à l'esprit, c'est plus facile de faire comme ça. Ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais c'est la méthode que j'emploierai. J'emploierai des images colorées, contrastées, car c'est ce que les gens aiment voir, ils aiment des couleurs vives. Un bon histogramme avec un bon équilibre entre couleurs claires et foncées. Soyez conscient de cela dans le choix de vos photos. Vous aurez peut-être 2 images pour raconter le même récit, mais avec des couleurs, des perspectives différentes. Et donc, prenez en compte la roue de couleurs. Il y a des couleurs qui vont bien ensemble. Si vous avez l'occasion de choisir quelque chose comme ça, d'abord, couleur primaire, secondaire, faites-le car c'est ce que l'œil humain aime voir. Vous pourriez également choisir une diversité de perspectives. Vous avez des photos rapprochées, plus éloignées. Si vous cherchez à employer une combinaison de ces photos, vous y arriverez en 1 seconde. En prenant en compte ces éléments différents dans votre récit, vous aurez
et un ensemble d'images vraiment intéressantes avec de belles images, une perspective intéressante. Puis votre prochaine image aura une autre couleur avec une autre perspective et la troisième encore une autre couleur avec encore une autre perspective. Vous créerez vraiment un récit intéressant qui saisisse l'œil et vous aide à raconter votre histoire. Beaucoup de choses. L'important, c'est d'avoir de belles images aussi. Les belles images nous attirent et nous font passer à travers le récit. Et si ces belles images sont liées, alors on comprendra ce qui se passe. Enfin, vous avez les captions pour vous permettre d'avancer. Quelques éléments à prendre en compte. Attention à ne pas utiliser trop de photos. C'est un point important. On a souvent tendance à partager trop de photos, le plus de photos possible. Mettez-vous pour vous concentrer. Concentrez-vous sur un seul sujet. Pour moi, c'était le loup rouge, le loup rouge. J'entends de raconter des récits multiples sur différentes communautés. Mais pour moi, vous recommanderais de vous concentrer sur une seule communauté, une seule personne, un seul habitat, une seule espèce, un seul événement de planification stratégique. Concentrez-vous pour que cela ait du sens, mais prenez en compte les éléments, le personnage, le guide, le conflit et la résolution pour que tout cela soit représenté. Il ne s'agit pas que d'une conférence que vous avez eue. Dans beaucoup de conflits, la résolution pourrait être là. Avoir un récit concentré avec tous ces éléments nous aidera vraiment à développer l'histoire que vous cherchez à communiquer et comment la stratégie de consommation et les normes seront employées pour cette histoire. Des conseils pour prendre de belles photos. Le meilleur conseil est de montrer des perspectives et des angles inhabituels. L'être humain, et je mesure généralement environ un peu moins de 2 mètres et voit le monde toujours de la même perspective. Mais si vous pouvez lui montrer une perspective à laquelle il n'est pas habitué, ça donnera une photo vraiment intéressante, comme cette image ici, avec la petite sauterelle sur l'herbe. Vous êtes dans l'herbe avec l'animal à son niveau. C'est comme si vous étiez là avec lui dans l'environnement. C'est une perspective unique. On ne voit pas souvent, car vous avez les sauterelles qui sont minuscules et on n'est jamais dans l'herbe avec elles. Une perspective différente est généralement une très belle manière de prendre une photo saisissante, même sans vous servir d'un animal, mais d'une personne ou d'une autre chose. On peut beaucoup lever la caméra et prendre une photo en contre-plongée ou d'autres manières auxquelles les personnes ne sont pas habituées. Si vous avez un groupe de personnes, prenez des notes, vous pouvez vraiment vous rapprocher pour les inclure dans ce moment. Ou bien vous pouvez prendre une photo vraiment large du haut en contre-plongée qui montre tout le monde qui travaille ensemble. Une perspective qui serait accessible à une personne vraiment très grande. Voilà, c'est le plus important pour les photos, la perspective. Autre chose, choisir son point focal. Alors évidemment, quand on regarde une image, on peut choisir quelque chose qui ressort. Par exemple, pour l'image ici du requin, le point focal est évidemment au centre, l'animal qui s'éloigne. La perspective est à la surface, derrière l'animal. On voit rarement les requins comme ça. On les voit généralement de haut ou bien dans un aquarium, on le voit au-dessus. Mais là, on est au niveau du requin à la surface. Cette perspective est donc vraiment importante. Ensuite, la règle des tiers, je pense que la plupart d'entre vous en avaient entendu parler. Vous divisez votre image. Vous avez votre image ici.
Vous avez un tiers ici, un tiers ici, un tiers ici, et un tiers inférieur ici. Donc, le cerveau humain aime voir les choses entières. Donc, quand vous organisez votre photo ainsi, ce sera une expérience plus satisfaisante. Et pour le point focal est l'araignée, car l'image, l'orientation de l'image dirige votre regard vers l'araignée. Et c'est une perspective intéressante car on est au niveau de l'araignée, on la regarde. Et cela implique également une profondeur, un arrière-plan clair, un arrière-plan qui manque de clarté. On peut faire ça avec n'importe quoi, un habitat, une personne. Ajouter de la profondeur à votre photo la rend plus intéressante et vous permet d'articuler l'information sur votre sujet. L'important est de regarder votre arrière-plan. De vous servir de la profondeur de votre caméra. Si vous utilisez un téléphone, vous pouvez utiliser le mode portrait qui floutera l'arrière-plan. Voilà pour l'image. Enfin, la photographie est littéralement saisir de l'image, donc se servir de l'image d'une manière créative vous permettra d'obtenir des effets intéressants. Jouer avec les lumières qui viennent du haut sont largement trop utilisées. Beaucoup s'imaginent que si on a une belle image qui vient d'en face, alors tout ira bien. Faites cette idée pour montrer une nouvelle perspective de luminosité. C'est un autre conseil que je peux vous donner. Cet alligator a de la lumière dans son dos. Il est éclairé autour de son visage. Il éclaire également l'herbe et la toile d'araignée sur son visage parce qu'il est resté assis là tellement longtemps. Ça vous donne un sentiment différent car il y a de l'or, de l'air. Donc seulement une lumière avant avec un alligator ordinaire que tout le monde voit tout le temps. Et vous prenez des photos à l'extérieur, souvenez-vous que ça dépend où vous êtes dans le monde. Mais la meilleure heure pour prendre une photo, au moment où le soleil se lève à l'horizon, du moment où le soleil se lève à l'horizon à la fin de la matinée, et la meilleure heure vous dure environ une heure en Afrique australe, car ensuite le soleil devient très chaud très vite. C'est vraiment un très bon moment pour prendre des bonnes photos. Des disciplines contrastées. Ça offre une perspective intéressante pour cette image. Avant de partir aux détails de soumission, je vais prendre un temps de questions-réponses. S'il y a des questions, des questions sur des conseils pour prendre de bonnes photos. Si quelqu'un a des questions, je peux également attendre la fin. Moi, j'ai une question. J'y reviendrai. Dans ce cas, moi, je vais poser une question sur les récits. Vous avez mentionné qu'il y a un guide, un est-ce que vous avez davantage d'informations sur ce mode de pensée que vous partagez? Eh bien, oui. Il y a toutes sortes d'informations en ligne aussi. Votre personnage ça varie beaucoup en fonction du récit, mais votre personnage est quelqu'un qui change au long du récit.
quelqu'un qui passe par une expérience, un conflit et une résolution, puis qui change en fonction de son expérience tout au long de l'histoire. En pensant au personnage que vous voulez choisir, pensez à qui change le plus. Le loup-roux est une belle image, c'est une espèce menacée. Il est transporté vers le désert. Ça fait un bon personnage, un guide, quelqu'un qui aidera ce personnage à passer à travers ce changement. Voilà, pour moi, les guides sont les scientifiques et les chercheurs qui aident l'animal à traverser cette histoire, l'aident dans ses défis, ses conflits. Le personnage expérimente la menace, les routes, les habitats changements, la fragmentation de son habitat. Le défi peut être facile à insérer dans votre récit photo. Puis les guides viennent et le font passer à travers ces défis, le font entrer dans la résolution. La résolution, c'est là où l'animal ou le personnage parvient à l'apogée du récit. Je crois que cela répond mieux à votre question. C'est la version simplifiée. Il y a évidemment beaucoup plus qu'on peut ajouter, mais pour un récit photo, c'est mieux d'être plus simple que trop compliqué. Voilà la base de ce que vous pouvez faire, mais il y a des tonnes de ressources disponibles en ligne si vous voulez en savoir plus sur comment une histoire fonctionne réellement. Car il y a d'autres éléments à ajouter. Mais c'est la manière de faire la plus facile, le personnage qui défie votre guide et votre résolution. Est-ce que c'était utile? Very much so, thank you. Oui, très utile, merci. D'accord, bien. Est-ce qu'on peut apporter des informations? Pour les soumissions, nous vous recommandons de prendre 5 à 10 photos. 10 maximum, c'est le maximum que nous accepterons. Pourquoi? Parce que si c'est trop, ce sera trop long, trop difficile à comprendre. Généralement, 5 à 10 images, c'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez inclure des captions avec vos images et elles seront partagées après la sélection à la fin de cette compétition afin d'accompagner les images au format auquel vous les présenterez afin d'expliquer mieux ce qu'est chaque image. Ce n'est pas écrit ici, mais un exemple de caption, le loup rouge ici, et une caption comme le loup rouge américain est l'espèce canine la plus menacée au monde. Il n'en reste plus que tant à l'état sauvage. Cet individu habitait ici, dans tel état, dans tel emplacement. Donc, la première caption fixerait le cadre et présenterait votre personnage principal pour que le public puisse comprendre de quoi il s'agit. Puis, en avançant vers la droite, nous décrirons l'image brièvement en parlant du conflit, du défi, où exactement se trouve cet animal. Et décrire quel guide en se centrant au Missouri et comment ce personnage l'aide
comment ces personnages travaillent avec les animaux et les préparent pour la prochaine étape de leur voyage. Ils travaillent avec les loups et les transportent en avion pour les amener dans la nature. Vos éléments sont utiles afin de fournir ce petit peu d'informations supérieures que vous voudrez probablement inclure dans votre récit afin de vous aider à avancer. Pour les images, on s'attend à 2 à 3 phrases par image pour fixer le cadre, décrire ce qui se passe dans chaque image. Si vous faites plus, ce sera trop d'informations. Vous voulez vous concentrer sur la simplicité pour cette image. 2 à 5 phrases, ça marche assez bien. Et c'est juste un petit paragraphe pour avancer. C'est juste quelque chose de logique. Voilà, ce serait bien de faire comme ça pour qu'en voyant l'image, on puisse les mettre dans l'ordre escompté. Photo, nom, organisation et numéro de la photo. Donc, en assemblant vos photos, vous pouvez les renommer rapidement avant de les soumettre. Vous pouvez renommer vos fichiers sur votre ordinateur, les renommer et les soumettre en saisissant votre caption et soumettre toutes les images ensemble. Je crois que c'est bon. Le jury, quelques éléments à prendre en conscience. Nous sommes assez ouverts. Nous jugeons les photos qui illustrent clairement l'emploi des normes de conservation. Mais nous cherchons aussi des récits qui illustrent ces normes tout en examinant la force de ces récits. Comment se concentrer sur un élément unique? Comment raconter l'histoire avec un personnage clair, une transition claire? S'il y a des conflits, s'il y a une résolution, etc. La créativité et la qualité des photos, en examinant ces perspectives uniques et les différentes couleurs et tout cela. Un élément important à prendre en compte par rapport à la soumission des photos est qu'il est inutile de prendre des photos dans l'espace de temps de votre compétition. Vous pouvez prendre des photos du passé et les ajouter à cette compétition avec de nouvelles images si vous voulez. Mais si vous voulez raconter toute l'histoire avec des photos que votre organisation a déjà prises dans le passé, ça facilitera les choses. Donc, sentez-vous libre d'assembler quelque chose. Si vous n'avez pas de photos de qualité, vous pourrez sortir en saisir. Pendant ce temps, je vous encouragerai à le faire, car en voyant des angles ouverts, etc., cela apporte une nouvelle perspective sur votre travail. Cela rend les photos plus intéressantes. Nous prendrons également en compte un cycle complet. C'est quelque chose que nous rechercherons parce que cela montre la force des récits, des résolutions de ce que nous faisons. Un projet qui inclut le bien-être humain et ou le changement climatique sera également particulièrement intéressant, car il peut y avoir de conservation sans initiative communautaire qui ont vraiment un grand impact au niveau de la lutte contre le changement climatique. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ensuite, le cœur de l'histoire, se concentrer sur un récit unique qui, avec un cycle complet, des photos de qualité. Date importante, la dernière date de soumission des photos est le 15 juillet. Maintenant, à vos questions. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, sentez-vous libre de me faire remarquer. Si quelqu'un a des questions, je serai heureux d'y répondre. Thanks, Justin.
D'abord, merci pour votre belle présentation. J'aurais voulu savoir, dans ce récit spécifique, ces photos existent déjà. Comment faire? Est-ce que nous prendrons les photos nous-mêmes ou comment gérer les crédits photos, etc. Vous pouvez tout à fait vous servir de photos déjà prises, mais je vous recommanderais parce que chacun voudra être crédité d'une manière différente. Je pense que pour chaque photo du passé, vous avez eu un accord. Regardez ces accords et voyez comment ils veulent être crédités. Parfois, c'est une image en bas de l'écran ou juste une mention rapide dans la caption. Je ne vois pas de raison pourquoi vous ne pourriez pas vous servir de photos utiles, de photos prises par d'autres photographes avec l'accord de ceux-ci, bien sûr. Parfois, il y a des limites liées à ces accords. Vous ne pouvez pas les soumettre comme ça. Vous vous servez de ces images à des fins commerciales, techniquement, car vous... Et pas le photographe qui reçoit le prix, mais c'est votre organisation. Examinez juste les détails de l'accord avec le photographe pour voir. Vous pouvez clairement soumettre des images prises par des photographes. En tant qu'organisateur, c'est comme ça qu'on fonctionne. En tant qu'organisation, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais chaque relation est différente. D'accord, bien, merci. Je vais poser une autre question, si vous permettez. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup les photos. Je lutte toujours pour voir comment manifester clairement l'emploi des normes de conservation. Car il s'agit d'un processus que nous avons suivi. Donc oui, le cœur de l'histoire, la conclusion, la résolution, etc. Je ne sais pas comment vous pouvez montrer ces normes de conservation. Vous comprenez ma question? Oui, je pense, oui. C'est moins subtil qu'un animal qui court dans la nature. Quelle que soit cette résolution, essayez de saisir autant que possible d'une manière créative. Vous décrirez seulement quelle décision a été prise, quel pont a été construit, quel résultat de la planification ou de la mise en œuvre. Mon exemple est assez extrême, pour ce qui est des détails spécifiques. Votre récit pourrait être un peu plus subtil, mais en cherchant à saisir ces détails, puis appuyer l'image et décrire ce qui se passe sera bien. Ce sera beaucoup plus subtil que de chercher à communiquer l'emploi des normes de conservation, quel que soit le programme. Nous en tenons compte, c'est difficile, vous avez raison. Il y a ce léger défi supplémentaire, mais je crois que c'est tout à fait possible. Servez-vous de la création afin de saisir l'image. À la meilleure manière de communiquer. Oui, ça aide, cette idée de partenariat. C'est difficile,
Non, merci. Quel que soit le récit, prenez cette image, ne prenez pas une image qui n'existe pas. D'autres questions? Non. On dirait que non. Cool. Well, très bien. That was fun. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de participer. Si vous avez d'autres questions, que vous pensez à quelque chose, sentez-vous libre de me contacter.